Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'Université d'Orléans, parce que vous êtes à l'Université d'Orléans, vous êtes au Learning Lab de l'Université d'Orléans. Je m'appelle Sébastien Ringdé, je suis le vice-président formation et vie universitaire de cette université. Alors, je ne suis pas tout seul, là, pour ce YouTube Live. J'ai avec nous Florent Belouet, qui est notre super technicien. Et j'ai aussi, à côté de moi, Fabrice Fitzé, qui est le directeur de l'orientation et de l'insertion professionnelle, ainsi qu'Olivier Richard, qui est notre chargé de mission orientation et insertion. Et donc, on va vous faire une présentation de l'Université d'Orléans. Alors, c'est la première d'une série de 6 YouTube Live. La présentation d'aujourd'hui va être une présentation générale, mais on va arriver tout de suite à la fin. On aura aussi des présentations thématiques qui auront lieu par la suite. Donc, une présentation sur les études de santé à Orléans, passé l'AS, qui aura lieu la semaine prochaine. Une présentation des BUT, donc ces nouveaux diplômes proposés par les IUT, qui aura lieu le 26 janvier. Une présentation des études en droit, économie et gestion le 2 février. Une présentation des études en sciences le 9 février. Et une présentation des études en lettres, langues et sciences humaines qui aura lieu le 2 mars. D'accord ? Et donc, après, il sera trop tard pour faire vos vœux sur Parcoursup. Mais toujours est-il qu'on aura fait notre maximum pour vous informer. Ces vidéos peuvent être ensuite consultées sur le site de l'université. C'est pas, elles sont captées et puis ensuite diffusées. Je vais vous faire un ensemble de présentations relativement générales pour cette première intervention. Évidemment, vous aurez certainement des questions. Il ne faut pas hésiter à les poser. Vous avez un petit bandeau qui vous explique qu'avec slido.com, vous allez pouvoir envoyer vos questions. Et puis, mes deux collègues qui sont là vont les transmettre et puis on va y répondre tous ensemble. Et puis aussi, si vous souhaitez avoir un vrai contact physique, l'Université d'Orléans est présente au Forum de l'orientation à Orléans. Donc, à Comet, là, aujourd'hui, on y sera demain et on y sera aussi samedi, donc il faut venir nous rencontrer. Et puis, si vous avez encore d'autres questions, il y a les journées portes ouvertes de l'université qui auront lieu le 4 février. Et là aussi, vous visiterez nos locaux, vous aurez le plaisir de voir comment on est bien installé dans ce plus grand parc de la ville d'Orléans qu'est l'université. Et puis, voilà, on saura vous convaincre de nous rejoindre. Alors, je vais reprendre ma présentation depuis le départ. Donc, l'Université d'Orléans, ce n'est pas simplement Orléans. Il faut déjà avoir ça en tête. L'Université d'Orléans, elle est présente sur l'ensemble de la région. Elle est présente dans les 6 préfectures et elle est aussi présente sur Issoudun. On a 14 centres de formation sur les 6 départements et on accueille à peu près 20 000 étudiants, donc environ 5 000 néo-bacheliers chaque année. Le site principal, c'est bien sûr Orléans-la-Source, mais on dispose d'antennes aussi où on va proposer des formations que je détaillerai par la suite. On a 4 IUT, l'IUT d'Orléans, bien entendu, l'IUT de Bourges, qui est un gros IUT, l'IUT de l'Indre, qui est présent sur Châteauroux et sur Issoudun, et puis 6 centres INSPE. Alors l'INSPE, qu'est-ce que c'est ? C'est la composante de l'université qui, en fait, forme les enseignants du primaire et du secondaire. Et donc, c'est des formations qui se font à Bac plus 4 et Bac plus 5. Donc, je n'évoquerai pas l'INSPE pour l'instant. Mais voilà, donc il faut avoir ça en tête. On forme aussi les enseignants du premier et du second degré. Qu'est-ce qu'on va vous proposer à Orléans ? On propose 13 buts distincts. On va vous proposer 18 mentions de licence générale, des cursus master en ingénierie qui peuvent aussi vous intéresser puisqu'ils recrutent dès la première année. Des licences professionnelles, alors ça c'est l'offre actuelle, mais ils sont appelés à devenir troisième année des buts. Et puis les licences professionnelles, on y arrive après avoir eu un bac plus 2. Donc ce n'est pas quelque chose qui vous concerne. Un diplôme d'état de kinésithérapie, ça peut vous concerner à brève échéance puisque les formations passe et l'AS que l'on offre vous permettent d'intégrer, si vous obtenez le concours, vous permettent d'intégrer cette école universitaire de kinésithérapie pour devenir masseur kinésithérapeute. Nous sommes la seule université qui dispose d'une école universitaire de kinésithérapie.
Et puis, cette spécialité d'ingénieur, et là aussi, vous pouvez être intéressé en tant que bachelier, puisque ces formations d'ingénieurs sont effectuées au sein de Polytech, et Polytech propose une prépa intégrée. Donc, voilà, pour un premier panorama. Et bien sûr, alors j'y reparlerai plus tard, mais on travaille étroitement avec un CFA, parce qu'il faut aussi avoir en tête que l'université, c'est aussi l'apprentissage. Et c'est notre CFA, en plus. Alors, 14 sites de formation, 11 composantes, l'UFR Droit, Économie et Gestion, donc qui est présent sur Orléans et puis sur nos antennes de Bourges et de Châteauroux, sur nos campus délocalisés de Bourges et de Châteauroux. Sur Bourges, on va vous proposer une licence de droit et une LAS droit, licence accès santé droit. Sur Châteauroux, on vous propose une licence de droit général aussi, ainsi qu'une licence économie et gestion, dans le domaine droit, économie et gestion. L'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines donc, est présent à Orléans, sur son site principal, et aussi à Châteauroux. Châteauroux, c'est une licence d'histoire, une licence LEA anglais-chinois, et c'est une spécialité du site de Châteauroux. La LEA anglais-chinois n'est pas proposée sur Orléans, ainsi qu'une LEA anglais-espagnol. L'UFR Sciences et Techniques, tiens, je vois qu'il y a une petite bêtise dans mon diaporama, est présent sur Orléans, mais aussi sur Bourges, puisque sur Bourges, on propose une L1 STAPS. La licence STAPS est aussi proposée à Bourges au sein du CREPS. Donc, les INSPE présents dans les 6 préfectures, l'École universitaire de kinésithérapie, Polytech Orléans, donc École publique d'ingénieurs. On a aussi un observatoire des sciences de l'univers en région centre. Alors, ça peut aussi vous intéresser si vous souhaitez faire des études en sciences de la Terre. C'est une spécificité propre à Orléans. C'est relativement rare, en fait, en France. Donc, j'évoquerai aussi ça. Et puis, donc, les 4 IUT que je vous ai déjà cités tout à l'heure. Alors, si vous venez nous rendre visite sur le campus, alors je l'ai déjà dit précédemment, si vous ne connaissez pas ce campus, vous voyez, le fond de la carte qui s'affiche est vert, et bien c'est pour une très très bonne raison, c'est parce qu'en fait, c'est un très grand parc. Et je suis absolument convaincu, on est le plus grand parc, en fait, de la ville d'Orléans. L'ensemble des composantes qui peuvent vous intéresser sur Orléans sont sur ce campus. Alors, il y a des projets de développement, vous en avez peut-être dû parler. La faculté de droit, économie, gestion doit déménager en centre-ville. Mais pour l'instant, elle reste encore sur le campus. Et si vous venez faire vos études chez nous, bah, vous commencerez à la source et puis vous finirez au centre-ville, à la place de l'ancien hôpital Madeleine. Et les INSPE aussi sont en ville. Mais bon, les INSPE, c'est Bac plus 4 et Bac plus 5. Donc pour l'instant, ça ne vous concerne pas. Un petit focus sur la vie universitaire à Orléans. Donc, vous voyez, je vous ai vendu un parc, ça se voit sur les petites photos qui sont présentées. Mais bon, on est aussi quand même là pour travailler, il ne faut pas oublier. Hein. Donc, vous avez gentiment un labo et puis vous avez aussi une photo d'une bibliothèque universitaire. Évidemment, bah, on peut se déplacer sur le campus, en bus, en tram. Le tram passe à travers le campus, en vélo. Et on est même super sympa puisqu'on vous prête des vélos. Si vous avez envie d'un vélo, bah, on vous le prêtera. Voilà. Alors ça, c'est sur le campus orléanais. Bien sûr, sur les antennes universitaires, vous bénéficiez aussi de facilités de transport. Apprenez par exemple que sur Châteauroux, les transports publics sont gratuits pour les étudiants. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Être étudiant à l'Université d'Orléans, je sais qu'assez souvent, on se fait une mauvaise idée de l'université. On se dit, oh là là, ça a l'air assez impersonnel. Et on voit quelquefois sur les journaux télévisés des amphis bondés, des gens assis sur des marches. Bon, l'Université d'Orléans, c'est une université à taille humaine. Qui a à cœur d'accompagner ses étudiants. Vous avez un ensemble de services qui vous sont proposés, donc la DOIP, la Direction de l'Orientation et de l'Insertion Professionnelle, qui est là pour vous aider aussi à vous orienter, parce que on sait à peu près où on va à court terme, mais ensuite, en fonction de son projet professionnel, les formations dans le supérieur sont très riches et on peut se poser des questions pour savoir mais vers quoi aller. Tiens, j'ai déjà une première question. Est-il facile de se loger à proximité du campus ?
Alors, au sein du campus, je vais revenir un peu sur le plan, vous avez déjà un ensemble de résidences universitaires qui sont... Alors, je ne sais pas si on voit ma flèche sur l'écran, parce que je ne sais pas trop, mais vous voyez, sous la bulle du bouillon et sous la bulle service de santé universitaire, vous avez déjà ici un ensemble de résidences qui sont des résidences CROUS. Vous en avez aussi, alors on va revenir là, si vous allez en face de DEG, vous avez SUAP, ce sport, des bâtiments gris, mais juste en dessous de là, vous avez en fait d'autres résidences qui vous sont aussi proposées. Et puis, il y a aussi un ensemble de résidences qui existent autour du campus, qui sont des résidences privées. Cette fois-ci, ce n'est pas forcément des résidences CROUS. Il y a aussi des résidences CROUS qui sont situées en centre-ville, dans le quartier d'Essault. Enfin, voilà, il y a des possibilités de logement à proximité du campus. C'est tout à fait envisageable. Ne tardez pas, n'arrivez pas en septembre en disant « Tiens, je vais chercher un logement ». C'est bien sûr quelque chose qu'il faut anticiper, parce que, évidemment, tout le monde cherche un logement en septembre, donc là, c'est un peu la course. Si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien, il faut débuter votre recherche de logement dès le mois de juin, pour faire au mieux. Je reviens. Donc, une DOIP, une passerelle handicap. Alors ça, c'est effectivement important aussi. L'Université d'Orléans est reconnue pour les accompagnements qu'elle peut proposer aux étudiants handicapés. Donc on a une passerelle qui est là pour accompagner les étudiants, les accueillir, recueillir leurs besoins et puis proposer les aménagements dans leurs études. Donc voilà, il faut savoir, un service de santé universitaire qui va devenir un service de santé pour les étudiants, on va étendre en fait normalement notre champ d'action. Un service central de scolarité, bon là vous aurez peu à faire avec le service central de scolarité parce qu'en fait dans chaque composante, vous avez un service de scolarité de proximité qui est là pour répondre à vos questions et puis gérer vos besoins au quotidien. Un bureau des relations internationales, c'est extrêmement important parce qu'on le verra dans la suite des développements, il y a vraiment de vraies possibilités pour aller faire un semestre, une année à l'étranger. Et puis, l'Université d'Orléans est aussi une université européenne. Nous appartenons à un réseau d'universités européennes qui s'appelle Athéna et qui met en place des formations qui peuvent concerner les étudiants de plusieurs universités. Et puis, bien entendu, aussi au sein de chaque composante, vous avez un bureau des stages. C'est effectivement important parce que un étudiant, c'est un étudiant qui va faire des stages parce que on est là pour vous former, pour que vous ayez à la fin un métier. Et la première chose pour obtenir un métier, ce qui est important, c'est aussi d'avoir des premières expériences professionnelles. Je bénéficie d'un tiers-temps pour le bac, ce sera le cas à la fac. Oui. Oui, bien sûr, votre dossier sera de nouveau retraité. Alors, on a une vraie difficulté. On travaille en ce moment actuellement à ce qu'il y ait un continuum entre le lycée et puis l'université parce que jusqu'à présent, donc, votre dossier d'étudiant handicapé vous a suivi depuis toute votre scolarité et vous n'avez pas été obligé de le refaire chaque année. Le problème, c'est que ce dossier ne nous est pas transmis et on est obligé de le refaire. Donc, de tout refaire depuis le départ, c'est un petit peu pénible. On travaille beaucoup en ce moment pour essayer justement que les lycées nous transmettent ces dossiers de façon à ce que les aménagements puissent arriver très rapidement. Donc, le tiers-temps, bien entendu, ce sont des possibilités qui sont régulièrement offertes aux étudiants. Alors, un ensemble aussi de services qui peuvent vous être, enfin, qui vous sont... proposer un Wi-Fi sécurisé, une adresse électronique universitaire, une plateforme de cours en ligne, on ne fait pas forcément toujours, enfin on fait rarement maintenant cours en ligne depuis la fin du Covid. J'étudie même pas trop ça, les cours en ligne. Mais en tout cas, vous avez toujours une plateforme sur laquelle vous allez retrouver ensemble des documents qui accompagnent vos enseignements, des salles informatiques en libre accès, et puis un environnement numérique de travail. Vos emplois du temps sont en ligne, il y a des ressources numériques qui vous sont offertes et qui sont très importante, par exemple, dans les bibliothèques universitaires, les offres de stage, etc. Donc, tout ça, c'est diffusé. Les universités sont aussi des bibliothèques universitaires. Vous en avez sur chaque campus de proximité, d'accord ? Il y a
toujours besoin de documentation. Et puis sur le site même d'Orléans, en fait, on dispose de trois énormes bibliothèques universitaires, la bibliothèque de lettres, la bibliothèque des sciences et puis la bibliothèque de droit, économie et gestion. Ces bibliothèques, elles vont vous proposer des espaces de travail, vous proposer une documentation qui est adaptée à votre formation. Vous serez aussi formé à la recherche documentaire. C'est assez important. Une bibliothèque universitaire, c'est particulier. C'est pas, vous n'avez jamais vu de bibliothèque universitaire. Il faut bien que voilà, vous allez voir quelque chose qui est différent de ce que vous pouvez connaître en termes de bibliothèque. Ces bibliothèques, elles sont pour certaines ouvertes le samedi. La bibliothèque de droit est ouverte le samedi. Et puis, vous avez aussi la bibliothèque de sciences qui est ouverte le soir jusqu'à 22h. Et je crois qu'on a même étendu à 22h30. Donc, pour travailler, profiter de la documentation sur place. Alors, on ne fait pas que... Pouvez-vous parler de la licence TAPS ? Le prix, le nécessaire pour y entrer. Alors, la licence TAPS, je vais l'évoquer tout à l'heure. OK ? Alors, le prix... C'est l'université, ça coûte pas grand-chose. D'accord ? L'inscription à l'université, c'est 200 euros en licence. Et en but, c'est pareil, il me semble bien. Donc, vous voyez, c'est pas, on ne parle pas d'argent à l'université. C'est... Mais je retraite de la licence STAPS tout à l'heure. Et si à ce moment-là, je n'ai pas été super clair ou très précis, n'hésitez pas à reposer votre question. Donc, on ne fait pas que travailler aussi sur le campus, on y vit sur le campus. Et donc, on va vous proposer de participer à la vie culturelle, à la vie sportive, et puis de prendre aussi des loisirs sur ce campus. On a un service culturel, alors on l'appelle le bouillon parce qu'on a une salle qui programme des spectacles, qui programme des concerts, des ateliers artistiques, qui accompagne vos projets artistiques. L'essentiel, la très grande majorité des spectacles et des concerts sont gratuits pour les étudiants. C'est une volonté de l'université. Il suffit de vous inscrire et puis vous participerez, vous assisterez à ce spectacle ou vous irez voir ce film, etc. C'est proposé. Et une vie associative aussi extrêmement riche. C'est important, cette vie associative, c'est une vie, c'est quelque chose qui anime vraiment notre campus, qui vont vous proposer des animations sportives, des animations culturelles, des sorties, des choses comme ça, qui sont financées par l'association, mais aussi par l'université, puisqu'on participe à la vie des associations en leur versant un ensemble de subventions. Bon, il va falloir qu'on parle quand même sérieusement maintenant, parce qu'il va falloir peut-être qu'on parle formation et diplôme. Alors ça, c'est très, très, très long. C'est très, très, très long. Tout ça, ça s'explique. Alors, je vais... je passe à la suivante tout de suite. Je vais vous faire un joli graphique. On peut faire du sport même si on est en STAPS. Oui, vous pouvez faire du sport même si vous êtes en STAPS. On a un service qui s'appelle le SWAPS qui propose un ensemble d'activités sportives. Il faut s'y inscrire. Ça se passe en début d'année. Alors, il ne faut pas traîner trop parce que c'est très, très demandé. Mais beaucoup d'activités sportives sont proposées. On bénéficie, en plus, on a la chance, puisqu'on a un pôle STAPS, on a donc un ensemble d'installations sportives assez conséquentes. Et donc, lorsque les étudiants n'ont pas de cours dans ces installations sportives, eh bien, vous pouvez, vous, en profiter. Alors, ils veulent faire du sport, ils ne veulent pas étudier. On va étudier maintenant. Donc, le parcours universitaire, il est à la fois très classique, mon petit graphique, mais il est assez typique aussi de ce qu'on va vous proposer sur Orléans. Donc, on va commencer par la droite et puis on va aller jusqu'à l'extrême gauche. À droite, vous avez en fait la formation Polytech. Donc, alors Polytech, qu'est-ce que c'est ? C'est une école d'ingénieurs, une école publique d'ingénieurs universitaires. Donc une formation de 5 années qui va se diviser en deux temps. Les deux premières années, vous êtes dans une prépa intégrée. Et puis ensuite, vous allez rentrer dans votre cursus spécialisé en ingénierie. Sur Orléans, donc on en propose 7, mais Polytech, c'est un réseau. Et donc, toutes les écoles Polytech ne proposent pas les mêmes spécialisations. Et donc, au terme de votre prépa, vous pourrez naviguer au sein du réseau Polytech pour aller faire telle ou telle spécialité.
Moi, je ne sais pas, je suis très intéressé par l'ingénierie navale. Alors évidemment, Orléans, on a bien un lac, mais on n'est pas tellement avancé, très très bon en ingénierie navale. Mais moi, je suis certain qu'il existe quelque part une école polytech qui va vous proposer une formation en ingénierie navale. Voilà, donc c'est la force d'un réseau. C'est intéressant quand même de rentrer dans un réseau. La prépa intégrée, c'est comme la prépa. Non. Enfin, c'est comme la prépa. Est-ce aussi violent que la prépa? Moins. Il faut quand même travailler. Faut quand même, c'est des filières qui sont sélectives. On va demander à avoir des profils scientifiques et puis des étudiants qui sont, voilà, qui sont solides sur leur base. Vous allez travailler, mais c'est avec des universitaires que vous allez travailler essentiellement et pas avec des professeurs de lycée. C'est une prépa, mais c'est un peu moins violent quand même que les prépas, par exemple MPSI ou choses comme ça, où là, il faut vraiment cravacher, énormément cravacher. Donc voilà, Polytech alors est présent à la fois sur Orléans, mais aussi sur Chartres, j'ai oublié de le préciser, puisque sur Chartres, on a un cycle orienté cosméto. Voilà, donc dans la cosméto, où on a beaucoup d'ingénieurs filles qui sont sur Polytech. On profite en fait donc de la Loire-Vallée et de sa spécialisation en parfum. À côté de ça, alors vous voyez des fois il y a des petites flèches qui vous indiquent des possibilités de passerelles. On sait souvent qu'on a souvent des étudiants en cinquième année de Polytech, donc qui sont sur le point d'être diplômés, qui vont choisir en fait de faire en même temps un master 2 parce qu'ils vont vouloir ensuite faire un doctorat. Un diplôme d'ingénieur ne vous donne pas accès au doctorat. Alors, on a largement le temps d'en discuter du doctorat, mais donc pour cela il faut faire un master, et donc ils le font en même temps. Voilà, c'est une possibilité qui est offerte. Les buts 1, 2 et 3. Donc les buts, donc ce sont des nouvelles formations qui se sont mises en place l'année dernière. Donc c'est une mise en place qui est progressive, et ces nouvelles formations, elles viennent remplacer les anciens DUT qui très souvent étaient suivis de licences professionnelles en troisième année. Donc maintenant, le cycle est complètement intégré en 3 ans. Okay. Et le principe d'un but, c'est de vous offrir une formation professionnalisante qui vous emmènera à coup sûr vers l'emploi. Il n'y a aucune discussion là-dessus. C'est une formation qui va vous emmener vers l'emploi. Il y a des possibilités, de poursuite d'études. C'est pas l'idée du but, c'est pas de poursuivre ses études après. Si vous rentrez en but, c'est je vais faire 3 ans et après je vais aller travailler. Mais peut-être que l'envie vous venant, vous aurez peut-être envie d'essayer de poursuivre vos études. Donc quelquefois, assez souvent, une fois qu'on a un but 3, un but complet, il y a des écoles d'ingénieurs qui sont prêtes à vous prendre donc à partir de la troisième année. Donc, vous pouvez considérer ça comme un redoublement, mais comme c'est une réorientation. Après un but 3, on ne sait pas encore, mais il est possible que certains masters vous prennent, sinon des licences 3 pourront vous prendre aussi. Mais tout ça, c'est sur dossier, hein, bien sûr, il n'y a pas de droit à la poursuite d'études après un but. Mais voilà. Après, alors il y a aussi des mouvements possibles entre le but 2 et les licences professionnelles. Donc, je vous ai indiqué au départ qu'on avait énormément de licences professionnelles. J'avais donné un chiffre que j'ai déjà oublié. Avec la mise en place des buts, en fait, la plupart de ces licences professionnelles vont fermer. Il en subsistera quelques-unes, essentiellement au sein des facultés, qui ne sont pas concernées par la création des buts. Il y a quelques licences professionnelles dans les facultés. En lettres, langues, sciences humaines, par exemple, vous avez une licence professionnelle cartographie. Vous avez une licence professionnelle qui est orientée sur la gestion de l'eau. Vous avez une licence professionnelle en STAPS. Aussi, une des licences professionnelles, je vais répondre à cette question qui vient d'arriver, une licence professionnelle en DEG, sur les métiers du notariat, sur les marchés publics, et puis sur banque, finance et assurance. Quel but permettrait d'aller ensuite à Polytech 3? Eh bien, un but, par exemple, GMP, génie mécanique et productique, génie industriel et maintenance, peut-être aussi. Je présenterai l'ensemble des spécialités de but que l'on propose sur Orléans, enfin sur Orléans, sur l'Université d'Orléans, donc sur nos quatre,
sur nos 4 IUT à la fin. En fait, ce sont des spécialités qui sont généralement qui relèvent du secondaire, des métiers indus. D'accord. Donc, les licences professionnelles. Alors maintenant, on va arriver, je continue, une fois que j'ai quitté les IUT, sur les UFR, les facultés. Alors, si vous rentrez dans une faculté, là aussi, vous voyez, le cycle, il y a 5 petites barres, ça veut dire que vous y êtes pour 5 ans. Quand on rentre en licence, en première année de licence, c'est que ben, on va s'engager dans des études longues. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer 2 diplômes, une licence, qui est un diplôme généraliste dans son domaine, mais qui reste quand même relativement généraliste dans son domaine. Et puis après, on fait un master qui est là, est la partie professionnalisante de votre formation. Okay, on a besoin en fait de vous donner un ensemble de connaissances qui vont être nécessaires pour appréhender les contenus, les enseignements professionnalisants que vous verrez en quatrième et en cinquième année. D'accord ? Alors, je préciserai un peu le fonctionnement des licences par la suite, hein, parce que là, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un gros tuyau et que tout le monde fait pareil tous les 3 ans. Ce n'est pas du tout ça. Retenez que l'idée, c'est vraiment... on va vous offrir un parcours qui va vous permettre de vous spécialiser progressivement et d'aller vers des domaines qui vous intéressent plus que d'autres. On a quelques petites choses particulières, par exemple les cursus CMI. Les cursus CMI, c'est des cursus... j'ai oublié le M. Ah oui, un master en ingénierie. Donc, ce sont aussi des formations de 5 ans. On en propose 2. Un cursus master en ingénierie chimie. Oui, des masters recherche. Alors, je m'arrête un peu 30 secondes. Les masters recherche, oui, il y en a. Bien souvent, en fait, alors ce n'est pas, l'essentiel de nos masters. L'essentiel de nos masters sont les masters professionnalisants. Si vous vous engagez sur un master recherche, c'est pour ensuite faire une thèse. D'accord ? Et on n'a pas beaucoup, beaucoup d'étudiants qui s'engagent ensuite vers la thèse. Il faut signer 3 ans en plus. Et donc, assez souvent, au sein d'un master, vous allez avoir des parcours ou des options qui vont vous emmener vers la recherche. Des masters recherche purs, où on ne fait que ça, il y en a un en lettres. Il me semble bien, le master de lettres est un master qui se revendique purement recherche. Mais bien souvent, vous avez, assez souvent, dans un master d'histoire, vous avez... dans un master d'histoire, vous avez des voies professionnalisantes, mais vous avez aussi une voie recherche qui se fait à travers certaines options. Sur Parcoursus, le CMI Orléans est noté comme un diplôme non certifié par l'État. Alors, expliquons les CMI. Les CMI, cursus master en ingénierie, sont déjà assis sur une licence et un master. Pour notre CMI chimie cosméto, cosméto-sciences, c'est la licence de chimie et le master de chimie. Mais vous faites plus que la licence de chimie et le master de chimie. Vous avez un ensemble d'autres enseignements qu'on appelle des OSEC, qui sont des enseignements, comment dirait-on, je ne dirais pas culture générale, mais des choses qui étendent votre champ de connaissances. Ce n'est pas, chimie. Ça va être des enseignements de gestion, ça va être des enseignements avec de la prise de parole. Vous avez aussi beaucoup plus de stages, qu'ils soient effectivement en entreprise ou aussi en laboratoire, dans ces cursus-là. Ces cursus master en ingénierie, en fait, de par leur nature, ça ressemble à des formations, enfin c'est même parfaitement équivalent, à des formations d'ingénieurs à l'allemande. Ça ne vous diplôme pas, vous ne serez pas ingénieur, d'accord, mais vous aurez un CMI, c'est quand même un diplôme qui est alors non certifié par l'État, certes, mais c'est quand même l'université qui vous le délivre. C'est quand même quelque chose qui est vraiment apprécié sur le marché et sur lesquels les étudiants qui se sont investis ont vraiment apprécié. Donc, chimie, il y a très peu d'écoles de chimie en France. Si vous voulez être ingénieur en chimie, ça va être assez compliqué. Mais ce cursus-là vous amènera au même type d'emploi qu'un ingénieur en chimie. Le deuxième CMI qu'on propose est un CMI maths appliquées, big data, j'ai plus l'intitulé exact, je le représenterai plus tard. Là aussi,
il est appuyé sur la licence de maths et sur un master de maths appliquées. Et donc, vous avez vos examens, vous suivez les cours de licence et de master, et puis aussi, vous avez d'autres cours qui viennent, en fait, compléter votre formation. D'accord ? Voilà, ingénierie statistique, données, modélisation. Voilà, merci Richard. Olivier. Donc ça, c'est une spécificité. Donc vraiment, si vous souhaitez avoir rencontré des gens du CMI Chimie, vous passez à Comet ce samedi, ou vous passez aux journées portes ouvertes, vous les verrez, ils vous expliqueront beaucoup mieux que moi ce qu'est cette formation. Le PPPE, alors ça aussi, c'est quelque chose qui est assez particulier. Il y a toujours des lycéens qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais moi, ce que je souhaite, c'est être professeur des écoles. » Alors, comment est-ce que je fais pour être professeur des écoles ? Alors, la réponse que l'on a longtemps donnée, c'était « Vous faites une licence. » Laquelle ? C'est pas grave. Vous faites une licence et puis après, vous candidaterez pour rentrer à l'INSPE et puis entamer votre formation de professeur des écoles. Et donc, c'est un petit peu embêtant. Et donc, pour les gens qui ont vraiment une vraie envie, il y a des cursus PPPE qui ont été créés. On en a un à Orléans. C'est une licence sciences de la vie, PPPE, qui est là pour vous préparer à l'entrée à l'INSPE. C'est une formation qui a lieu, en fait, à la fois donc, à la faculté des sciences, mais aussi avec notre lycée partenaire, qui est le lycée Voltaire. Et donc, vous avez des cours à la fac et au lycée. Et l'idée, avec des stages aussi, au sein d'écoles ou au sein de structures proches des écoles, l'idée, c'est donc de déjà vous faire découvrir votre métier et puis aussi commencer à vous former et vérifier que ça vous intéresse quand même bien pour que vous puissiez rentrer ensuite à l'INSPE et devenir professeur des écoles, puisque c'est votre souhait le plus cher. Donc il faut effectivement avoir un peu des connaissances en sciences de la vie. Vous n'allez pas vous rentrer quand même dans un cursus aussi à l'université en sciences de la vie. Donc, pour les profils scientifiques qui ont fait sciences de la vie, ça peut être tout à fait intéressant. C'est la seule que l'on propose. Dans la région, Tours n'en propose pas. Tours n'en propose pas, mais il y en a une soixantaine en France, avec vous avez des PPPE lettres, des PPPE maths, voilà. Nous, on propose une PPPE sciences de la vie, il n'y en a que 4 en France. Beaucoup de places en PPPE, non. C'est une filière à accès limité, on n'a que 35 places dans cette filière. Comme dans les cursus CMI, il y a aussi un nombre de places qui est relativement limité, à peu près une vingtaine par CMI. Vingtaine dans le CMI chimie et vingtaine dans le CMI maths. L'ELAS. Ah oui, ça, l'ELAS, les licences accès santé. Eh bien oui, ces licences accès santé, elles sont proposées donc, au sein des UFR, on en propose plein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme licence accès santé ? Est-ce que pour devenir professeur de lycée ou de collège, c'est la même filière ? Alors, pas le PPPE, professeur de lycée ou de collège, donc passer par exemple un CAPES, c'est aussi au sein des INSPE que vous passez les CAPES. Ce sont donc sur des masters second degré. Et donc, ces masters second degré, ils sont présents à Orléans et aussi à Tours. C'est nous qui les proposons sur Tours, en collaboration avec l'Université de Tours. Voilà. Là aussi, évidemment, si vous voulez être professeur de lycée en, mathématiques, vous faites une licence de maths et ensuite vous rentrez dans un master second degré mathématiques pour préparer un CAPES. Sur l'agrégation, alors ça, c'est un peu plus compliqué. Les INSPE proposent, c'est généralement les UFR qui font des préparations aux agrégations. Bon, on a déjà commencé par le CAPES. Donc oui, il y a quelques filières qui sont en accès limité, les cursus CMI, PPPE, et aussi les licences accès santé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une licence accès santé ? Une licence accès santé, c'est pour deux tiers, en fait, une licence disciplinaire et pour un tiers un enseignement de santé.
D'accord ? On aura une présentation complète hein, sur les études de santé à Orléans la semaine prochaine. Donc là, je vais vraiment présenter à gros traits ces licences accès santé et puis les passes qui sont à côté. Donc, vous êtes, par exemple, on a une LAS droit, on a une LAS éco. Alors, la LAS droit est à Bourges, la LAS éco-gestion est à Châteauroux. Sur Orléans, donc, on va vous proposer, alors j'aimerais dessus l'année prochaine, une LAS géographie, c'est tout nouveau. Une LAS sciences de la vie, une LAS mathématiques, une LAS STAPS, une LAS chimie, une LAS physique, et je crois que j'ai fait le tour. On reverra tout à l'heure sur le slide. Donc aussi avec un nombre de places relativement limité, 120 places par exemple en LAS sciences de la vie, qui est la LAS la plus demandée. Donc, vous êtes inscrit dans une licence disciplinaire un petit peu allégée pour faire place à des enseignements de santé. Et puis, en fonction des résultats que vous allez obtenir, vous serez appelé à passer le concours d'admission dans les filières santé que sont médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kiné. D'accord ? Si vous voulez devenir kiné à l'école universitaire de kiné, thérapie d'Orléans, vous devez impérativement passer par une LAS ou par une PASS. D'accord ? C'est une question qu'on a régulièrement. Il n'y a pas de passerelle licence STAPS pure vers l'école de kiné. N'importe quelle LAS peut vous conduire vers l'école de kiné. Beaucoup d'étudiants passent par une LAS STAPS pour devenir ensuite kiné. Donc, on reprend dans l'ordre. Je prépare ma première année de licence avec une partie de disciplinaire et puis une petite partie de santé. À la fin, si tout se passe bien, je passe le concours. Je peux peut-être rentrer dans une école MMOPK, médecine maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné. Mais si ça ne se passe pas bien, j'ai quand même validé mon année et donc je peux aller en LAS 2. Alors en LAS 2, donc là, la licence, elle redevient disciplinaire, mais vous aurez le droit, au cours de votre deuxième année de LAS, de retenter l'admission en médecine, maïeutique, etc. D'accord ? Et puis, vous êtes en deuxième année de licence, mais comme vous avez eu l'essentiel, les enseignements de la discipline au cours de votre première année, vous pourrez tout à fait suivre en deuxième année. OK ? Les choses se passent bien. Et puis, on a même encore des LAS 3, parce qu'on n'est pas obligé de passer le concours. Si on fait moins de santé en LAS, on sera moins prêt pour réunir le concours. Ah, mais ça, c'est un grand classique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je reviendrai. Je vais avoir un petit tableau là-dessus. Le nombre de places qui sera donné aux étudiants sortant de LAS et aux étudiants sortant de PASS est fixé à l'avance. Moitié des places des filières MMOPK seront données à des étudiants de LAS, moitié des places seront données aux étudiants de PASS. D'accord ? Donc, il n'y a pas... En fait, je vais même aux toilettes avec vous. Il y a tellement plus d'étudiants en PASS qu'en LAS qu'il y a plus de chances d'arriver en études de santé passant par une LAS, puisque la moitié des places sont réservées aux LAS. Et comme il y a moins de LAS, mathématiquement, ça se joue mieux. Et vous me direz, oui, mais on est moins bien préparé au cours de la deuxième année de santé. Je vous présenterai des taux de réussite. Et puis, Éric Duverger, qui se joindra à moi la semaine prochaine, vous en reparlera aussi. Les taux de réussite sont les mêmes. Alors, donc ça, c'était les LAS. Maintenant, les PASS. Alors oui, effectivement, depuis l'année dernière, enfin depuis les 7 rentrées, on propose des PASS. Sur Orléans. Alors, les PASS, qu'est-ce que c'est ? Les PASS, c'est en fait l'inverse des LAS. Vous avez un tiers d'enseignement disciplinaire. Donc, nous, on propose des PASS en physique, en sciences de la vie, en STAPS, en éco, en droit, en chimie. On en propose 7. Alors, il faut que je trouve le dernier, je ne sais plus lequel est-il. Et donc, vous avez au sein de ces PASS, donc, un enseignement disciplinaire qui vous prend à peu près le tiers de votre temps de travail, un peu moins, et puis deux tiers d'enseignement de santé. D'accord ? Et là, le principe est le même. Il faut réussir son année de PASS.
Si vous réussissez votre année de passe, vous pouvez passer le concours, vous l'obtenez, très bien, vous partez en MMOPK. Vous ne l'obtenez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez continuer à progresser puisque vous irez en LAS 2, vous irez en licence 2. D'accord ? Alors, s'il y a un petit danger quand même, c'est que quand vous êtes en licence 2, vous n'avez pas fait tout le programme de la première année, contrairement au LAS. Les LAS font quasiment tout, font l'essentiel. Vous n'avez pas forcément tout fait, donc il peut y avoir des problèmes d'adaptation lorsqu'on passe d'une PASS à une LAS 2. D'accord ? Ce qu'on observe moins quand on passe d'une LAS 1 à une LAS 2. Puis après, donc, école de kiné ou médecine. Alors, médecine, je vous rappelle quand même que médecine, ce sera 50 étudiants en deuxième année de médecine en septembre prochain. Et puis, on va passer ensuite à 100, puis bientôt 150, etc. Et à terme, Orléans formera 200 médecins par an. Donc, voilà, une faculté de médecine qui est en train de se monter. On a déjà construit nos passes en collaboration avec l'Université de Tours, parce que tout ça se fait à l'Université de Tours. Quelle licence privilégiée pour accéder à l'école de journalisme ? C'est souvent, on invite les gens à faire une licence plutôt de droit ou voire d'histoire. C'est assez, des choses assez littéraires. Le droit vous obligeant à la rigueur. Je pense que lorsqu'il y aura présentation des formations de DEG, un juriste nous rejoindra et je pense qu'il confirmera ce que je pense. C'est souvent, voilà, il faut quand même avoir une rigueur dans l'écriture, donc le droit. Les étudiants de médecine d'Orléans seront seulement les étudiants inscrits à Orléans en L1 ? Non, parce qu'on travaille en collaboration avec Tours. D'accord ? Tout ça, on travaille main à main avec l'Université de Tours. Et en fait, le EPAS et LAS, les PASS orléanaises et les PASS tourangelles, les LAS orléanaises et les LAS tourangelles, en fait, forment un seul et même classement. Et donc, l'année prochaine, à Orléans, il pourra y avoir peut-être des étudiants qui auront fait leur LAS et leur PASS à Orléans. Il y en aura aussi, très certainement, qui auront fait leur PASS ou leur LAS à Tours. Et les étudiants qui auront fait leur PASS ou leur LAS à Orléans, certains vont se retrouver en PASS ou en LAS à Tours. Enfin, en études de médecine, pardon, ou de pharma à Tours. Okay ? Comment ça va se passer, le partage ? Qui va décider ? En fait, ça va être le rang de classement. Le premier dit, vous voulez aller où ? Moi, je veux aller à Orléans. Très bien, vous allez à Orléans. Et vous voulez aller où, le deuxième ? Moi, je veux aller à Tours. Et puis, quand tout sera plein, tout sera plein. D'accord ? Donc, non, on n'est pas super, on travaille bien avec Tours, on va continuer à travailler avec Tours. Combien y a-t-il de places pour STAPS ? Alors, oui, effectivement, il faut peut-être parler de filières en tension. Polytech, l'entrée est sélective, ça veut dire qu'on peut vous dire non. Dans les buts, l'entrée est aussi sélective, mais ça veut dire qu'on peut aussi vous dire non. Si vous n'êtes pas pris en première année de licence, ou si vous n'êtes pas pris en LAS, ou si vous n'êtes pas pris en PASS, ce n'est pas parce qu'on vous a dit non, c'est parce qu'en fait, il n'y avait plus de place. D'accord ? Donc, quelles sont les filières sur Orléans qui connaissent régulièrement des problèmes, où toutes les places sont attribuées ? Il y a la licence STAPS. La L1 de STAPS, à Orléans, accueille 450 étudiants, et sur Bourges, je ne sais plus combien on a de places sur Bourges. Je ne saurais pas vous dire. Mais c'est très demandé. Il y a des milliers de vœux chaque année pour entrer en L1 de STAPS. Une autre filière qui est en tension aussi, qui ne peut pas accepter tout le monde, c'est le LEA anglais-japonais proposé sur Orléans. On ne proposait que 40 places. Parce qu'on n'a pas tant d'enseignants de japonais que ça, donc il faut quand même que l'enseignement soit de qualité. Donc on ne peut pas non plus mettre 300 personnes si on n'a que 3 enseignants de japonais, ça n'a pas de sens. Donc là, c'est parmi les filières qui bloquent régulièrement. Pour les autres, a priori, il n'y a généralement jamais de vrai blocage. Voilà pour le panorama général. Alors, on va revenir sur les licences 1. Alors, comment s'est organisée une licence 1 ? Donc, ça va un peu... Non, on prend les grands débutants pour faire la LEA anglais-japonais. C'est pas...
Il y a très très peu d'étudiants qui font, de lycéens qui font du japonais. Si on comptait sur le vivier d'étudiants qui font du japonais au lycée pour remplir notre LEA anglais-japonais, ça ne marcherait pas. On prend les étudiants débutants. Alors, la première année à l'université, qu'est-ce que c'est ? C'est généralement en licence générale. Hein, c'est une première année qui permet de s'orienter et ensuite de se spécialiser progressivement. Dans certaines UFR, par exemple en sciences et puis aussi en lettres, langues et sciences humaines, ce sont des portails qui vous sont proposés. Des portails, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez choisir un couple de matières, enfin parmi les portails proposés, on va vous proposer des couples de matières, généralement des matières qui vont ensemble. Ok ? C'est pas, physique nucléaire, macramé. Non, on parle de matières qui vont ensemble, maths, physique. Maths, informatique, d'accord. Au début, vous allez avoir 50% d'une matière, 50% de l'autre matière. Et ensuite, au deuxième semestre, il y a une matière qui va devenir majeure et l'autre matière qui va devenir mineure. Ça, c'est le choix du portail. Je vais le spéciser par la suite. Sur les droits, économie, gestion et STAPS, en fait, vous avez des enseignements qui sont en tronc commun et vous allez commencer à choisir un peu votre spécialité ensuite. Mais vous voyez, au départ, la première année, elle est toujours relativement large. Et nous, on considère qu'il faut qu'une première année, à Orléans, elle puisse vous donner accès à deux licences différentes. D'accord ? Deux licences différentes. Je prends matière A, matière B. Ça veut dire que, je ne sais pas, je vais découvrir la matière A et la matière B. Eh bien, je vais peut-être aller faire une licence de A ou une licence de B. Voilà. Alors, Dans le détail, non. Non. Faut-il avoir PIX pour être accepté ? Ça, c'est PIX pour avoir son bac, mais pour, il me semble bien, mais pas pour être accepté à l'université. Nous, il nous faut votre baccalauréat. Okay. C'est le seul. C'est le critère pour candidater chez nous, c'est avoir un baccalauréat. Alors, dans le détail. UFR droit, économie, gestion, donc vous avez une licence de droit, mais à l'intérieur de la licence de droit, premier semestre, c'est quasiment le même pour tout le monde, mais vous allez pouvoir faire, en fait, soit une licence de droit général, soit une licence de droit européen, soit une licence de droit histoire. OK ? La licence économie et gestion, elle, c'est une licence qui fonctionne en majeur. Le premier semestre, lui, il est parfaitement commun entre les étudiants qui vont se destiner à l'économie et les étudiants qui vont se destiner à la gestion. Parce qu'un lycéen, je suis désolé, hein, je vais vous le dire, vous êtes en train de préparer votre bac, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'est, je vous le dis, l'économie à l'université, puis vous ne savez pas du tout non plus ce que peut être la gestion à l'université. Et si vous faites un bac général, vous n'avez jamais fait de gestion. Et donc, ah oui, économie, gestion, tiens, pourquoi pas, mais vous allez voir qu'en fait, l'économie à l'université, c'est très mathématisant. Donc, quand on fait de l'économie, on fait aussi des maths. Et puis la gestion à l'université, il y a aussi une dimension juridique qui est assez importante. Donc quand on fait de la gestion, de la comptabilité, du marketing, du management, on fait aussi du droit. D'accord ? Et donc le premier semestre va vous permettre de bien découvrir ça, de bien voir, ah ouais, l'économie et son côté maths, ça me plaît, ou ah non, la gestion avec le côté juridique, ouais, ça me plaît. Et donc une fois que vous aurez adopté ça, regardez, hop, on va prendre le truc. Une fois que vous aurez bien vu après les choses, vous allez rentrer dans une majeure économie ou dans une majeure gestion. D'accord ? Et ce qui va se passer ensuite, en fait, c'est typique de toutes les licences qui vous sont proposées. Vous allez avoir, alors ici, il y a la majeure économie et la majeure gestion en deuxième année va vous permettre de découvrir un ensemble de champs d'application de l'économie ou de la gestion. Et puis, votre spécialisation, vous allez la faire. Alors, c'est un début de spécialisation. Vous allez la faire au cours de la troisième année. On va vous demander de choisir un parcours. International Economics, c'est un parcours où l'essentiel des cours sont en anglais, donc tourné vers l'économie internationale. L'économétrie, c'est un parcours pour les gens qui ont vraiment aimé les maths appliquées en économie. D'accord ? Les maths, on fait des maths en économie, pas pour faire plaisir, on fait des maths parce qu'on a besoin pour construire nos raisonnements et puis pour bricoler des données et tout, c'est un truc assez important. Et donc, vous savez, les big data, les choses comme ça, on en parle depuis des années, mais c'est une spécialité orléanaise depuis plus de 20 ans. Donc, ça fait 20 ans qu'on forme des gens dans ce domaine-là et qui gagnent très bien leur vie ensuite. Ou, moi, les métiers de la finance, ça m'intéresse. Alors, finance,
métier de la banque, de la finance et de l'assurance. Donc, je vais partir sur un parcours finance. En majeure gestion, donc, ah oui, tiens, moi, c'est la vente qui m'intéresse, c'est le marketing qui m'intéresse. OK, parcours marketing. Ou non, moi, le parcours, moi, c'est le métier de la comptabilité qui m'intéresse, l'expertise comptable ou le contrôle de gestion. Eh bien, vous avez un parcours comptabilité, contrôle, finance qui va vous mener ensuite vers ces masters-là. L'idée, en fait, de ces spécialisations, et ça, c'est propre, en fait, à toutes les licences, de spécialisations, c'est de vous faire mieux connaître un champ d'application pour ensuite faire le bon choix de master. D'accord ? Tout le monde, c'est bien de savoir, ah oui, c'est vrai, la finance, ça m'intéresse. Tiens, je vais en faire un petit peu plus. Ah oui, OK, c'est vraiment intéressant. OK, je vais faire un master finance ensuite. D'accord ? Tiens, le marketing, ça m'intéresse, mais des formations en marketing, il y en a quand même pas mal. Je vais continuer dans le marketing. Vers quoi peut-on se tourner après une licence de droit histoire ? Vers un master, ou en droit, ou en histoire. Là, la question, c'est, il faudrait vraiment que mon collègue de droit soit là pour vous répondre, ou mon collègue d'histoire aussi, puisqu'il y a aussi une licence histoire-droit. C'est à peu près, voilà, on en parlera. Donc, il faudra revenir, ou alors vous rendre compte, vous déplacer au forum de l'orientation. Est-il possible de suivre en même temps une licence de droit et une licence d'informatique sur Orléans ? Si oui, est-ce qu'il y a les aménagements ? Oui, c'est possible. Oui, il y a les aménagements, ça s'appelle le régime spécial d'études. Donc, vous allez avoir une inscription principale et puis une inscription secondaire. Sur l'inscription secondaire, puisque vous êtes déjà inscrit principalement dans un autre diplôme, on va vous proposer les aménagements. Assez souvent, on va vous dispenser de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Alors, il faut être solide quand même pour pouvoir suivre deux licences en même temps et travailler dans deux domaines qui sont relativement éloignés les uns des autres. Mais si vraiment c'est votre envie et si vous avez les capacités de travail, vous pouvez tout à fait vous inscrire dans deux licences et les aménagements vous seront proposés. D'accord ? Voilà. Alors par contre, vous aurez peut-être un souci au moment des examens parce qu'on ne peut pas vous garantir la compatibilité de vos horaires d'examen. On ne peut pas s'organiser pour ça. Et donc, ben, il y a les examens que vous louperez, mais c'est pas, enfin, que vous ne passerez pas, mais vous pourrez les passer en seconde session, il n'y aura pas de difficulté. Mais aménagements sont possibles, et j'espère que vous avez une forte capacité de travail, parce que vous n'allez pas rigoler. Ça va être du vrai un travail très fort. Donc, cette spécialisation progressive, c'est intéressant, parce que voilà, vous allez construire votre projet. On ne vous demande pas de choisir un master quand vous rentrez à l'université. On vous demande de choisir... Si vous rentrez un cycle licence-master, on vous demande de choisir une discipline, en fait, un champ qui vous intéresse particulièrement. Et vous avez 3 ans pour mieux le découvrir et pour ensuite vous orienter vers telle ou telle ou telle spécificité. Alors, en droit économie-gestion, vous avez aussi une double licence donc, qui vous permettra d'obtenir, alors là, il n'y a que 40 places, d'obtenir à la fois, au terme des 3 années, une licence d'économie et une licence économie-gestion, une licence de droit. Alors là, c'est avec des aménagements et des matières communes. Vous voyez, dans le cas de la licence droit et informatique, il n'y a aucune matière en commun. C'est donc compliqué. Donc il faut passer toutes les matières de chacune des licences. Là, cette double licence, vous avez en fait un ensemble de matières qui sont communes aux deux licences qui vont vous servir à valider et l'un et l'autre. Et donc, vous avez plus de travail qu'en une licence classique, mais à la fin, vous avez 2 licences. Une d'économie-gestion et une de droit. Alors, je continue. Donc, lettres, langues et sciences humaines. Donc, voici le principe. On a 6 disciplines qui sont proposées à l'UFR et à l'LSH. Lettres, LEA, donc anglais, espagnol, allemand, chinois, à Châteauroux, japonais. Langue, littérature et civilisation étrangère régionale, anglais ou espagnol, histoire, géographie et aménagement, sciences du langage. Donc, il y a plusieurs portails qui peuvent vous être proposés. Alors, tous les couples n'existent pas. D'accord ? Sinon, ce serait un petit peu compliqué de vous proposer l'ensemble des portails possibles. On en propose, je ne sais plus, 6 ou 7. Mais au cours du premier semestre, donc, vous allez suivre 50% d'enseignement de la discipline 1, 50% d'enseignement de la discipline 2.
au terme du premier semestre, on va vous demander de choisir quelle est votre discipline majeure, la majeure discipline 1 ou discipline 2. Bon, bah, vous direz, bah, c'est la 1, donc 75% de votre enseignement sera discipline 1 et 25% de l'autre. Et ensuite, en L2, bah, là, vous choisirez votre licence disciplinaire. Et vous pourrez aller aussi bien dans la L2 de la discipline 1 que dans la L2 de la discipline 2. Les étudiants sont venus présenter la SVST Math. Je l'ai recherchée, mais elle n'est pas dispo sur Parcoursup. Alors, vous parlez du portail Sciences de la vie, Sciences de la Terre, Mathématiques. Alors, je vais effectivement, ils vous ont peut-être présenté ce portail, mais le portail est réformé. Et donc, je vais vous présenter un peu ce qui se passe maintenant, tout à l'heure en sciences. Vous allez voir un peu ce qu'on va vous proposer à partir de la rentrée prochaine. Donc là aussi, hein, l'idée, c'est aussi une spécialisation progressive au cours de votre formation. Donc la licence 1 qui peut mener, donc il s'agit d'arriver vers une licence LEA. Donc voilà, on a plusieurs chemins au cours de la première année qui va vous mener vers une licence LEA. Soit je prends c'est pas bien grave là-dessus. Mais après, vous voyez que dans les semestres 3 à 6, vous avez un ensemble de spécialisations qui vous sont proposées. En commerce international, en langue et société, un parcours franco-allemand avec l'université de Siegen, un parcours sur la didactique du français langue étrangère, la façon qu'on a d'apprendre le français à un public non francophone, et puis aussi des parcours qui peuvent vous préparer vers les masters MEF. Vous avez un ensemble d'enseignements de sensibilisation au métier de l'enseignement. Puis après, bien sûr, il y a les masters à la fin, il y a toujours des masters, vous savez. En sciences, comment ça va se passer? Voilà. Voici ce qui est proposé, en fait, à partir de la rentrée prochaine. Parce que c'est un petit peu compliqué, ces portails à trois matières. Et puis, la réforme du bac fait que, bien souvent, il y a une matière qui pouvait être problématique pour la plupart de nos des étudiants qui nous rejoignaient. Et bien souvent aussi, on a quand même été interrogé, les étudiants qui s'inscrivaient en portail, ils vous expliquaient, ah, oui, mais moi, je voulais vraiment faire matière A, matière B. Et il fallait que j'en prenne une troisième, alors j'ai pris ce truc-là, et puis vraiment, j'aime pas, il a fallu que je travaille ce truc-là, ça m'a pas plu. Donc on va partir sur des portails, à partir de la rentrée, sur des portails à deux matières. Donc, maths informatique, et là, c'est le même principe qu'en lettres, 50-50 de votre temps en maths, et partagé entre maths et info, maths physique, maths éco, physique chimie, chimie sciences de la vie, chimie sciences de la terre. Premier semestre, moitié-moitié. Deuxième semestre, fonctionnement majeur-mineur, 60, 70, 30, 40 pour la matière mineure. Et la possibilité de s'inscrire ensuite, si vous êtes sur un portail maths info, ben, en septembre, vous pouvez vous dire, moi je pourrais aller en licence de maths, je pourrais aller aussi en licence d'informatique. Vous avez ensuite les LAS en dessous, LAS sciences de la vie santé, physique santé, maths santé, chimie santé. D'accord ? Alors pour les gens qui sont vraiment intéressés par sciences de la Terre, donc on peut faire chimie, sciences de la Terre, mais si vous faites aussi chimie, sciences de la vie, il y aura un module optionnel en sciences de la Terre qui pourra vous emmener vers la licence sciences de la Terre. Voilà. Les licences STAPS, donc. Licence STAPS, c'est une autre organisation. On a 4 licences STAPS à l'Université d'Orléans. Activité physique adaptée et santé, éducation motricité, management et entraînement sportif. Ces 4 licences, en fait, c'est un choix qui est fait en deuxième année. La première année est une année de tronc commun. Tout le monde fait la même chose, avec des petites options, bien sûr. Mais c'est une année de tronc commun, sans spécialisation nette. Votre choix de mention, il se fait en deuxième année. D'accord ? Donc là aussi, toujours avec une spécialisation progressive vers application particulière dans un champ particulier. Donc ça, ben, je vous l'ai déjà évoqué, nos cursus master en ingénierie. Passons au but maintenant, parce que c'est quand même beaucoup d'étudiants qui sont en but. Donc voici, est-ce vrai que c'est plus compliqué en partant d'une filière technologique de rentrer en licence STAPS, par exemple? Alors, compliqué, c'est pas compliqué. C'est pas que ce soit compliqué, c'est juste que ça va être compliqué dans vos études. Okay, le bac technologique, ça ne vous prépare pas super, super bien à des cycles licence. Par contre, ça vous prépare très, très, très bien
aux IUT et au cycle but. Mais si vous êtes super motivé, si vous avez de bons résultats, si vous avez une vraie capacité de travail pour remettre tout ça à plat, ben, ça va pouvoir se faire. Petite subtilité, le pôle STAPS, c'est à l'UFR de sciences. D'accord ? Ce sont des études scientifiques. Effectivement, appliquées au sport, peut-être, mais ce n'est pas l'école de foot. Parce que c'est aussi... Il y a des gens qui pensent que, en fait, c'est l'école de foot. Mais non, ce n'est pas l'école de foot. Hein. Il y a peut-être quelques activités sportives, mais il n'y a pas que ça. Vous avez des cours de psycho, vous avez des cours de physio, vous avez des choses assez fort. Ça coûte cher, la fac ? Mais non, ce n'est pas cher. 200, regardez, vous allez sur le site de l'université, vous cherchez les droits d'inscription, c'est à la louche 200 euros l'inscription à l'université. C'est un peu plus cher à Polytech, mais c'est 200 euros. 170 euros. Et avec 95 de CEVEC en plus. 170 euros plus 95 de contribution à la vie. Donc voilà, on vous expliquera ça. Et si vous êtes boursier, vous êtes dispensé, oui, aussi. N'oubliez pas que les boursiers ne paient pas. Non, c'est pas l'université qui coûte cher, c'est la vie qui coûte cher. Mais l'université, c'est pas très très cher. Pas cher du tout. Les IUT, alors justement, moi, je voudrais m'adresser aux bacheliers technologiques. Les IUT ont une obligation de recrutement d'une certaine proportion de bac technologique. En fait, 50% des inscrits à l'IUT doivent être issus de bac technologique. Il y a vraiment des places à prendre dans les IUT et la réforme des buts, elle a eu aussi pour objectif de mettre en place une pédagogie beaucoup plus adaptée à des étudiants sortant de bac technologique. Vous allez en fait avoir le même type d'enseignement que vous pouvez connaître au sein de votre bac technologique. Je fais, je comprends, je progresse. D'accord ? Et donc, y a vraiment beaucoup de places qui pourraient être prises par des bacheliers technologiques et qui ne nous ont finalement pas donné. Sur des spécialités comme si vous faites le but chimie, si vous faites, comment s'appelle ce bac technologique sur les labos STL, ouais, sciences et techniques des laboratoires. Le STL, c'est super recherché, c'est très très rare. Vous voulez faire un but chimie, STL, il ne faut surtout pas hésiter. Surtout pas hésiter, vous avez très bonne chance d'être pris, quoi. Donc vraiment, bac technologique, n'hésitez pas, postulez en IUT. Il y a de vraies formations super solides et super bonnes. Il faut vraiment pas hésiter. Nous aurons une présentation des buts dans 15 jours par un collègue. Les généraux ne sont pas acceptés en IUT. Si, ils sont acceptés en IUT. Mais, en fait, comme il y a beaucoup plus de bacs généraux qui postulent en IUT, il est plus dur pour un bac général de rentrer en IUT que pour un bac technologique. Voilà, c'est comme ça. Non, ils sont tout à fait acceptés. 50% de bacs technologiques, donc 50% de bacs généraux. Okay ? Mais il y a beaucoup de candidats titulaires d'un bac général qui postulent en IUT. Et finalement, peu de candidats issus d'un bac technologique. Un système de parrainage ou de tutorat, ben, ça va dépendre de la formation dans laquelle vous êtes. Il y a du tutorat qui est mis en place, par exemple, en licence de droit. Vous en avez aussi, évidemment, dans les formations santé, PASS et LAS. Vous en avez dans les IUT, mais ça va dépendre du département. Enfin, tout ça, ce n'est pas forcément systématisé au niveau de l'université. C'est des choses qui sont organisées au sein même des formations par les départements. Donc, je reviens sur les IUT, donc des spécialités de service GEA. Alors, on a trois GEA sur l'Université d'Orléans, hein. Orléans, Châteauroux et Bourges. Technique de commercialisation, c'est à Issoudun. Les carrières sociales, c'est à Bourges. Le management et de la logistique et des transports, avant, ça s'appelait GLT, mais ça a changé de nom, c'est MLT maintenant. On l'a à Chartres et Issoudun. Et un but informatique, alors je l'ai placé dans les services, mais mes collègues informaticiens, ils m'en veulent et ils auraient voulu dire plutôt ça. Mais non, c'est pas service, c'est industrie. Bon. Le but informatique, il n'est qu'à Orléans. Et dans les spécialités de l'industrie, donc je m'adresse maintenant à l'auditeur qui, il y a un petit moment, me disait « Mais qu'est-ce qu'il faut faire comme but pour devenir ingénieur ensuite ?» Voilà, vous avez ces différents buts-là. Après, bien sûr, il faut que vos spécialités ingénieurs soient en relation avec votre but, quoi.
si vous faites un but de chimie, ce serait pour aller vers l'ingénierie chimie. D'accord, pas pour aller plutôt vers un truc qui n'a pas en rapport avec votre formation initiale. Donc, ingénierie électrique, informatique, industrielle à Chartres et Châteauroux, hein, qualité logistique industrielle, organisation Orléans-Bourges, but chimie Orléans, un GMP, enfin génie mécanique et productique Orléans et Bourges. Les métiers de la transition et de l'efficacité énergétique, s'appelait GTE avant, c'est sur Orléans, un génie industriel et maintenance à Chartres, un génie civil à Bourges et une mesure physique à Bourges. Ce sont vraiment des belles formations qui sont super, super bien construites et qui sont super solides. Voilà, il faut vraiment, si vous ne connaissez pas bien, allez voir les IUT, journée portes ouvertes ou forum de l'orientation. Voilà, allez les voir, discuter avec eux. C'est vraiment de très, très belles formations. Et l'apprentissage à l'université, il y en a partout. On a des buts 1, des buts 2, des buts 3, des licences professionnelles, des formations d'ingénieurs à partir de la troisième année, des M1, des M2 qui sont proposés à l'apprentissage. Par exemple, DEG, les masters marketing, apprentissage première, deuxième année. Le master qui mène vers l'expertise comptable, apprentissage première, deuxième année. Le master qui mène vers le contrôle de gestion, apprentissage première, deuxième année. Vous avez énormément de formations qui sont proposées à Orléans en apprentissage. Vous voyez, je vous montre un peu le développement de l'apprentissage sur Orléans et puis les différentes filières concernées. Donc, but 1, on a très peu d'étudiants en apprentissage. Parce que c'est compliqué quand même, quand on sort du bac, de partir sur un apprentissage. Vous n'osez pas trop. J'ai un bac pro et je voudrais aller en but, c'est possible. Ça ne va pas être facile. Les intégrations de bac professionnel en but, il y en a très très peu. Il faut vraiment voir en fonction de votre dossier. Si vous avez un super dossier, super solide, ça doit pouvoir se faire. Mais si c'est un peu hop, ça va être un peu plus compliqué, quoi. Mais il y a des possibilités. C'est pas super courant quand même. C'est pas super courant. Donc en but 1, but 2, LP, vous voyez, plus ça va. Donc sur ces premiers cycles, vous avancez et plus effectivement il y a des étudiants en apprentissage. Vous en avez aussi en M1 et en M2, plus en M2 qu'en M1. Les masters complets M1, M2 en apprentissage, il n'y en a pas tant que ça. La petite carte qui est sur le côté aussi, en fait, elle fait le bilan sur 2018-2022, sur tous nos étudiants qui ont été en apprentissage. En fait, on vous montre le lieu où était l'entreprise qui proposait l'apprentissage. Et vous voyez en fait qu'on va irriguer une bonne partie de la région et au-delà, quoi. On a bien sûr beaucoup d'étudiants qui vont faire leur apprentissage sur Orléans, mais on a aussi pas mal énormément même sur Bourges. On en a pas mal qui remontent sur Paris pour aller faire leur apprentissage. Vous voyez, Orléans-Paris, c'est jamais qu'une heure de train. Bon, quand le train fonctionne, mais c'est jamais qu'une heure de train. Donc, l'Université d'Orléans, elle est au service de son territoire et ses apprentis, ils vont travailler dans l'ensemble des départements de la région. On est à 74% des étudiants qui font leur apprentissage au sein même de la région. 10% le font dans l'Île-de-France et puis 6,5% donc, dans des départements qui sont limitrophes à la région centre. Vous voyez, on a mis vraiment un fort développement sur l'apprentissage. On avait moins de 1200 étudiants en apprentissage il y a 4 ans. On était à 1700 là cette année. Mon graphique s'arrête en 2016, mais enfin en 21-22, mais en 22-23, moi je vous dis, on a continué à progresser. On est un peu au-delà de 1700 étudiants en apprentissage. Donc voilà, c'est aussi quelque chose, une formule qui vous intéresse, vous aurez des opportunités d'apprentissage. Tout n'est pas ouvert en apprentissage. Hein. Un master de maths n'est pas ouvert à l'apprentissage, mais il y a quand même pas mal de formations qui le sont ouvertes. Étudier à l'étranger, c'est possible. On a les accords Erasmus Plus avec énormément de structures, 229 universités, établissements partenaires. Et je suis sûr que on l'a fait l'année dernière cette slide-là, et je suis sûr que si on devait aller voir notre cellule relations internationales, ils nous diraient « Mais non, on n'est plus à 229, on est au moins à 250 maintenant. » Mais bon. Donc, c'est, l'idée, c'est de permettre des échanges d'étudiants et puis d'enseignants-chercheurs aussi, parce que nous aussi, des fois, on en profite,
Et vous pouvez aussi en profiter. Vous souhaitez faire un semestre ou une année, c'est un projet qui est tout à fait intéressant, il faut vraiment le faire. Alors, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est pas en septembre, tiens, je vais aller faire un semestre là. Non, non, c'est quelque chose qu'il faut préparer l'année précédente, et c'est tout à fait possible. Faut vraiment pas, voilà, on le propose, l'université propose. Avec des aides financières aussi possibles, la région est vraiment super aidante. Sur ces déplacements à l'étranger de nos étudiants, ils offrent des bourses. C'est vraiment, voilà, le monde est à vous de le prendre. Moi, je vais mettre cette petite slide-là pour vous repréciser en fait le programme de nos futures interventions, mais on peut rester en ligne un peu, quelques instants, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Parce qu'on était un petit peu long. J'ai fait 1h10. Je ne sais pas si tout le monde est resté jusqu'à la fin. Aurons-nous des questions? N'hésitez pas. On dirait que j'ai répondu à toutes les questions et que les gens n'osent plus en poser. Faut pas être timide, hein. Allez, on va attendre une petite minute et puis sinon, je n'aurai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. À vous rappeler qu'on a des journées portes ouvertes, c'est le 4 février. À vous rappeler que c'est le forum de l'orientation. Les autres sessions, vous redirez la même chose, mais non, je ne redirai pas la même chose. À l'écran, vous devez voir en fait le programme des futures présentations. La semaine prochaine, donc, je présenterai l'Université d'Orléans, pas tout, hein, vraiment, globalement, mais vous aurez un gros focus sur les études de santé. Dans 15 jours, un gros focus sur les buts. Le 2 février, gros focus sur les études droit, économie et gestion. Le 9 février, je rappelle, études en sciences, et le 2 en sciences et en STAPS, hein, oui, il faudra que je le précise, sciences, STAPS, sciences, hein, c'est tout. Et puis le 2 mars, donc lettres, langues et sciences humaines. Donc voilà, si vous avez un champ qui vraiment vous intéresse plus particulièrement, revenez nous voir. C'est tous les jeudis, c'est à 18h30, et on sera enchantés de vous offrir toutes les informations dont vous avez besoin. Les sciences humaines. Alors, qu'est-ce que je... Alors, ce sont... histoire... Pour nous, hein, lettres, langues et sciences humaines, c'est pour nous, donc les lettres, les langues. LLCER, c'est aussi histoire, géographie, sciences du langage. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Voilà ce qu'on propose chez nous. On n'a pas de psycho, on n'a pas de sociaux. Ça, c'est sur tour que c'est proposé. On n'a pas l'étude de philosophie non plus. Comme, voilà, on n'a pas de philo. J'espère avoir répondu à vos questions. En fait, les sciences humaines, ce sont les disciplines qui sont aussi présentées là. Voici les disciplines qu'on propose, en fait, dans l'UFR, lettres, langues et sciences humaines. Alors, visiter les résidences. Oui, lors de la journée porte ouverte, il me semble bien que les résidences sont aussi ouvertes. Vous aurez aussi la possibilité de jeter un œil à ces... à ses résidences. Allez, une petite dernière ou on ferme? Bon, allez, il est tard. Comment devons-nous faire les demandes pour les résidences? Ouh là là! Alors, les résidences universitaires, c'est les résidences du CROUS. L'université n'a pas de résidence en propre. Elle ne propose pas le service de logement. C'est le CROUS qui fait cette proposition, enfin, qui gère ces résidences. Comment est-ce qu'on fait? Lors de la journée porte ouverte, il y aura un stand CROUS. Ils vous expliqueront toutes les démarches que vous devez entreprendre. Et je suis moi-même convaincu qu'au forum de l'orientation, là, l'année dernière, il y avait un stand CROUS. Il y a aussi un stand CROUS au forum de l'orientation sur Orléans ce week-end.
Donc voilà, on vous renseignera sur les démarches. N'hésitez pas à vous déplacer en espérant que vous n'êtes pas trop loin. Et les demandes de bourse aussi. C'est important. Voilà, parce que c'est bien de ne pas la faire en cours de route. Parce que plus tôt c'est fait, mieux c'est fait. Bon, allez, je vous propose de nous quitter. Ah, non, il n'y a plus de but. Enfin, il y a un but chimie maintenant. Mais si vous faites que 2 ans, on vous donnera un but. Mais l'idée, c'est quand même de faire les 3 années pour que vous obteniez un but. Mais quelqu'un qui fait que 2 ans à l'IUT aura un but. Mais on aura une session spéciale but. Ah, puis bien sûr, tous les renseignements utiles sont sur le site de l'université. Hein, faut pas hésiter. Hein. Donc, spécial but le 26 janvier. Bon, allez, cette fois-ci, on ferme, pour de vrai. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, et puis à très bientôt sur YouTube si vous souhaitez de nouvelles informations. À bientôt.